De Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais et Mondrian, l'architecte des couleurs, voilà les deux programmes immersifs proposés à partir de vendredi 24 février au Carrière des Lumières des Baux-de-Provence. Un spectacle son et lumière qui projette le visiteur dans les œuvres. L'exposition longue de Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais, c'est vraiment pensé comme un voyage. On est plongé dans le quotidien, dans le siècle d'or. On va vivre les loisirs aussi, donc on a vraiment une expérience très physique par rapport aux œuvres parce qu'on est dans des peintures qui décrivent peut-être des choses ordinaires mais de manière complètement extraordinaire. Donc on a vraiment une balade physique dans l'architecture, à l'intérieur des maisons et puis pour venir finir en bouquet final avec Van Gogh qui nous emmène vers la Provence, vers le soleil qui inonde ses toiles, qui vient inonder les carrières de lumière. Donc on a vraiment cet itinéraire de la Hollande jusqu'à la Provence. Une création vraiment pour les beaux, dans le sens où les expositions que nous avons sont appelées à tourner sur d'autres sites. Et cette année, c'est vraiment une création pour les Baux-de-Provence et qui est diffusée uniquement ici, aux Baux-de-Provence. Le processus de création prend un an. Voilà. C'est-à-dire qu'un an à l'avance, on va décider d'un thème et ensuite on va sélectionner des médias, les images, des tableaux, quel tableau. Et ensuite, il y a un fil directeur qui est créé, donc un fil narratif. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des intentions qui vont être émises pour dire, ben, tel tableau, on aimerait l'animer ou pas, le faire arriver par tel endroit ou par tel autre. Et enfin, il y a une autre phase encore d'essais concrets sur site, puisque une grosse partie des effets sont de la production audiovisuelle, donc sont faits sur informatique, en studio en quelque sorte, mais ensuite il faut les mettre en situation parce qu'un effet qui va apparaître d'une certaine manière à l'écran va rendre complètement différemment in situ.